Salut à tous les amis, c'est Docteur en Play, Docteur en Panne, oui, Docteur en Panne sur Twitch, mais ça on s'en fout parce que là on est en vidéo YouTube. Comment allez-vous les gens? C'est Docteur Play. Les gens, j'ai besoin de vous, les gens. J'ai extrêmement besoin de vous parce que là je choisis, je fais un choix crucial. C'est un énorme choix. J'ai deux choix, les gens. Soit je retourne sur ce serveur, vous allez comprendre pourquoi, soit je ne retourne pas dessus. D'accord? Désolé, je bois un peu d'eau en même temps. Parce qu'il fait chaud. Alors, j'hésite les gens vraiment à retourner. Alors, on va raconter un peu la petite histoire qu'on a eue auparavant. Vous vous rappelez, sur les serveurs RP, on avait rejoint plusieurs serveurs RP. On avait rejoint RRF, qu'on se souvient de tous. On avait rejoint un autre serveur RP, je ne me souviens plus du nom. Et on avait rejoint Île-de-France RP. Et Île-de-France RP, au début, je vais pas vous mentir, c'était amusant. D'accord? C'était très amusant. Après, il y a eu des complications comme Lulubox qui a fait de la merde, qui a gâché un peu le RP et qui m'a fait gâcher le RP aussi de ce côté-là. Après, on a aussi rejoint La Ciotat, qui aurait pu être un bon serveur s'il n'y avait pas de problème, hein. Malheureusement, ça m'a aussi gâché le serveur aussi. Enfin, ça m'a aussi gâché le RP et tout ça. Ça m'a aussi gâché Roblox. Et après, j'en ai eu un peu marre de Roblox et j'ai arrêté de jouer. Voilà. Vous connaissez ma chute. Donc là, on est d'accord qu'on est retourné sur Calais RP. On s'y amuse bien. Ça fait que depuis hier ou avant-hier qu'on est dessus. Et franchement, j'ai pas à me plaindre. Enfin, j'ai pas du tout à me plaindre. Là, les gens, je vous demande quelque chose. Donc, vous voyez les messages ou Sama ou quoi que ce soit. Vous les voyez les messages. Est-ce que vous pensez qu'on devrait retourner sur Île-de-France RP? J'explique pourquoi. On est d'accord que la V1 et la V2 d'Île-de-France auraient pu être bien, mais pas assez complètes, ou alors il y avait tout le temps des lags. On se plaignait tout le temps parce que soit il y avait des lags, soit le serveur était trop petit et trop rapide à visiter, ou quoi que ce soit, et puis ça ne ressemblait pas à Paris en lui-même, ça ressemblait pas vraiment à l'Île-de-France de ce côté-là. Donc c'était pas forcément beau à voir. Là, je vais pas vous mentir, j'ai fait la gueule lorsque j'ai rejoint le serveur parce que j'étais en live justement tout à l'heure. J'ai dit, bon, bah pour la déconne, on va rejoindre en live et on va voir un peu leur serveur si ça lag toujours autant. Bon, ça lag un peu, mais là, bizarrement, ça lag plus. Je ne vais pas vous mentir, j'ai été étonné lorsque j'ai rejoint le serveur de la décoration du serveur. Ça respecte Paris. Alors, ça respecte pas tout Paris parce qu'il n'y a pas tout de refait, mais il y a la plupart des choses qui ont été refaites sur Île-de-France qui sont vachement beaux. Je vous montre un peu la ville, d'accord? Bon. Je vous montre un peu l'endroit en tout cas. Je vais pas vous mentir. Bon là, on est à la fin. Alors je me suis mis à la fin parce que j'étais en train de visiter justement. Mais ils ont respecté beaucoup beaucoup de choses. Et là, je vais pas vous mentir. Hein. Pour tous les bâtiments qu'il y a, bon, il y avait des lags avant parce que je pense qu'il y avait quelques problèmes à régler. Là, le serveur ne lag pas depuis qu'il a été réglé le bug. Et puis surtout, je suis en train de voir. Bon, alors on a le bon gros matou. Je ne sais pas c'est qui. On voit qu'il a le marteau à côté. Donc c'est quelqu'un qui s'occupe du serveur. Je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est lui qui s'occupe du serveur aussi de ce côté-là. Et comparé à Lulubox, le serveur ne lag pas du tout et le serveur est plus joli à voir. Regardez l'hôtel de ville, bah c'est plus joli à voir. Regardez, bon même le ministère, attendez, on va y aller dedans. Je n'ai même pas encore visité. Regardez, c'est pas plus joli à voir ça. C'est pas plus intéressant de venir jouer sur un serveur comme ça directement que d'aller sur un serveur où bah, déjà les portes elles sont pas ouf. Il y a même les caméras de surveillance. Mais j'avais pas vu, mais c'est stylé. J'ai les gens, je vais pas vous mentir, je suis jaloux. Enfin, je suis jaloux du fait que c'est une beauté incroyable. Comparé à avant où on se plaignait que le serveur était merdique, là, le serveur, il est beau. J'ai rien à dire. Après, je sais pas comment ça se passe sur la modération, si c'est toujours aussi merdique ou quoi que ce soit, j'en ai aucune idée. Mais là, bon, on a toujours Osama bah, qui est toujours là. Je sais pas comment il va de son côté. D'ailleurs, j'ai fait un salut, hein. Je crois pas qu'on soit mis en colère à cause de ça, de ce côté-là. Je pense plus que ce soit à cause d'un certain, hein, que je ne donnais à Lulubox. Hein, voilà. Mais Osama, si tu vois la vidéo, sache que je te dis bonjour. Mais là, le bon gros matou, je ne connais pas, je sais pas c'est qui, mais il est grave. Enfin, bah, en tout cas, je sais pas si c'est eux qui ont construit le serveur, mais il est grave sympa. Il est grave sympa. Ils se sont surpassés. IDFRP. Île-de-France. Ah bah IDF RP, ouais, du coup Île-de-France RP. Les gens, c'est magnifique. Ah mais dégage, tu vois bien que t'es sur le passage piéton, abruti. Ils se sont surpassés et j'ai rien à dire. C'est magnifique. Est-ce que les gens, maintenant je vous pose la question, est-ce que oui
ou non dans les commentaires. Est-ce que oui ou non, on retourne sur le serveur, on retourne venir RP. Parce que là, la ville, elle est beaucoup plus grande. Pour avoir, par exemple, un véhicule, j'ai vu qu'il fallait passer le permis. Donc déjà, c'est fabuleux, hein, j'ai rien à dire. C'est fabuleux. Voilà. Mais franchement, je me tenterais d'y retourner, franchement. Je sais pas si pour vous, vous êtes d'accord avec moi, mais je serais tenté d'y retourner. J'ai pas encore tout visité, je vais pas vous mentir les gens, mais je trouve la ville super sympa à voir. Après, il y a peut-être quelques trucs à régler, peut-être, je sais pas. Là, on avait déjà visité ici. Mais franchement, je n'ai rien à dire, la map est magnifique. J'ai rien à dire. Bon, il y a des gens, on s'en fout, hein. Est-ce que vous pensez du coup réellement qu'on devrait retourner sur le serveur? Parce que franchement, ça vaut vraiment le coup d'y retourner et devenir RP. Mais après, j'espère que ce sera plus sympa à voir ou quoi que ce soit. Est-ce que je veux dire, les gens, est-ce qu'ils seront plus sympas? Ça, on ne sait pas. Malheureusement, c'est les RP, on peut pas vraiment savoir ce qu'il va y avoir. Alors, même les chaises, elles sont. Oh, c'est grave sympa. Mais la map, elle est énormément grande, hein. Bon, mis à part qu'il y a toujours des bugs de voiture, hein. Voilà. Mais la map est hyper grande et j'ai pas à me plaindre. Franchement, le serveur est magnifique. Alors les gens dans les commentaires, je veux absolument votre réponse si oui ou non on retourne sur Île-de-France RP. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez réellement de la map. Là, je ne vais pas vous mentir les gens. Pour une première fois, je peux mettre un 8 sur 10, un 8 ou un 9 sur 10 même. Je peux pas mettre un 10 sur 10 parce que ça peut pas toujours être parfait. Mais là, la map, elle est magnifique. Je peux pas mettre un 10 sur 10, mais je peux quand même mettre un 8 ou un 9 sur 10. Les gens, mettez une note en même temps. Vous mettez si oui ou non on devrait retourner sur le serveur. On essaiera de retourner sur le Discord. Voilà. Ah, attendez, comment ça marche le permis? Permis B, 20 questions. Permis D, 5 questions. Le permis D autorise à conduire un véhicule affecté au transport de personnes comportant de plus de 9 personnes. Ah oui, donc, oh, les bus et du coup la voiture. Et on a le permis C qui est pour les camions mais qui ne sont pas encore actualisés. Oh, mais c'est sympa. Et puis, bon, pour le prix, c'est aussi correct, hein. Donc, les gens, mettez dans les commentaires. Je veux absolument votre commentaire, les gens. Et si jamais on atteint le plus de nombre de oui ou quoi que ce soit, on retourne sur le serveur, on ira retourner sur le Discord aussi, et on essaiera peut-être de discuter avec Oussama ou quoi que ce soit, pour en avoir un peu plus. Voilà. Bon les gens, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et je vous conseille aussi d'aller sur le serveur, même si, bon, de base, on aurait pu se plaindre sur le serveur, mais là, franchement, allez faire un tour, et dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, le serveur, il est magnifique, j'ai rien à dire. Sur ce, les amis, je vous dis bonne soirée à vous. Reposez-vous bien parce que je fais ça le live le soir. Merci de me pousser, toi. Je vous dis bonne soirée à vous tous. Reposez-vous bien et à la prochaine vidéo. Sur ce, bye tout le monde. Arrête de passer, toi. Gnie, gnie.